On revoit ensemble les compositions d'équipe. Du côté de Genk, c'est un 4-2-3-1. Krosowski. Munoz, il peut frapper, ça se referme devant lui. Ito. Deuxième poteau, la déviation, et c'est goal évidemment. C'est trop simple là, parce qu'au niveau défensif, Krosowski complètement seul au second poteau. Ça part de Munoz, à nouveau Ito, et regardez, regardez à quel point il. Arvenati, Bourdin qui glisse au mauvais moment. Einen, Munoz, centre de Munoz, et le deuxième, 2-0. Trop facile, c'est Ito qui marque. Ito a donné l'assist sur le premier but, il est à la conclusion du deuxième. Et ça part à nouveau du côté droit, le centre de Munoz. Et Ito qui reprend. Tout simplement. Holzhauser qui se gêne avec Avenatti, Einen, Hugbourg, bon appel et la petite piche nette, l'intervention de Pipaou. Et puis la frappe d'Ito au-dessus. Banganda. C'est pas mal. Banganda, l'ouverture, Ito, contrôle, frappe, ballon dévié, la barre transversale et coup de coin. Munoz, et puis, oh là 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 là, ballon dégagé à même la ligne, c'est Arteaga qui a frappé. C'est toujours bon à prendre aussi pour le moral. Ça c'est bien fait encore de la part de Ito, ça doit finir au fond, Krosowski. Alors, Bibao, cette fois-ci sur sa ligne, j'ai vu les pronostics pour les buts là. Plus de chance apparemment que Bo marque Holzhauser. Tout ça est théorique, hein, bien sûr. Alors, Trésor pour une frappe. C'est sa première touche de balle. Ballon détourné par Bibao. Bonne balle. Ça, c'est une bonne balle. Ça doit filer au fond. Et c'est à côté. Intervention de Van de Voort, je pense. Coup de coin. Bel arrêt du gardien. Il n'a pas grand-chose à faire. Trésor. Ito. Oh, penalty. Ben oui. Je crois que c'est juste un petit accrochage. On va revoir. Ben oui. Banganda et Bibao. 3-0. Pénalty parfaitement converti avec beaucoup de calme et sang-froid. Il n'y a pas de raison non plus d'être stressé aujourd'hui du côté de Genk, mais il faut toujours le convertir. Ah, bravo Banganda. De l'autre côté, c'est à côté. Intervention de Bibao. Cuesta. Suzuki. Bonne balle. Et voilà quand même le but de Nubici. Ça fait 3-1. Eh bien, dans les dernières minutes de cette rencontre, on va revoir. Arvenati. L'accélération de Suzuki, puis le ballon en retrait, il est parfaitement doux. On se bat pour le ballon. Là, finalement, Krosowski. Arteaga, Oyen, et but, 4-1, Nemeth qui vient de monter au jeu, jeune de 19 ans, ça lui fait plaisir, on peut le comprendre. 4 buts encaissés encore par le Bierskot aujourd'hui. Beau but, les deux nouveaux, enfin, les deux jeunes qui viennent de monter, Oyen à la 6. Et Nemeth à la finition, il emmène bien son ballon. Voilà, c'est fini.
n'y a pas eu beaucoup de suspense dans ce match.